la séance de qualification de cette deuxième manche des Le Mans Série. Alors, plus jamais, moi, je te dis. Bonne qualif à tout le monde. Hein. Bonne qualif à tous, ouais. Bonne qualif. Moi, je coupe mon micro. Hein. Moi, je vais le faire aussi, comme ça, j'interagis, je dérange personne. Et voilà. Alors. Donc, on parlait d'être à la conduite. Visiblement, donc, ça... Voir, mon Gator, wow. Fait combien en GCD, bon. 1,59,670. Alors je vais regarder un peu les réglages. Mais Clausius, si tu sais me guider au niveau des réglages, dis-moi parce que là je t'avoue que je suis un peu largué, on va dire. Donc si tu sais m'aider, il n'y a pas de souci Marina, tout de suite. Donc si tu sais m'aider mon cher Clausius, il n'y a pas de souci, moi je suis preneur. Parce que moi je connais pas grand chose. Bah là on est que 12 ici à Rapace. On est un peu en période de vacances aussi, donc il y en a certains qui sont partis, il y en a d'autres qui sont pas disponibles, etc. etc. Donc bon, c'est un peu comme ça, voilà quoi. C'est... Alors je vous précise que je. Ah oui, ok, une autre. Ok. Québec. Ah bah bonjour, donc devrais-je dire, puisqu'à cette heure-ci, il est 15h40, si je dis pas de bêtises, au niveau du Québec. Je sais plus ce que je disais. Oui, je me fais aider maintenant d'un utilitaire qui s'appelle Pekars Profiler et qui me sert à avoir plein de renseignements, par exemple au niveau des dégâts, au niveau des températures, des pneus et de l'huile et de l'eau aussi. Comme ça, ça me permet de voir un œil dessus. Comme ça, si jamais il y a une casse moteur éventuelle, je sais maintenant avoir un œil. Et éventuellement éviter que cette mauvaise surprise que j'ai eue lors de la précédente course n'arrive à nouveau. Ah ok Clausius, ah ok, pas de souci, je comprends. Ok, pas de problème. T'es en plein apprentissage, mais il n'y a pas de problème. Hein. Écoute, c'est raisonnable de ta part de ne pas t'engager tout de suite. Alors tu apprends, il n'y a pas de problème. Hein. C'est même plus sage de, tu vois, de se familiariser un petit peu et puis d'ensuite dire, allez, on y va, c'est parti. Et bon, là ça tourne déjà sur la piste. Je vais attendre un petit peu. Je vais regarder ce que j'ai déjà, on va dire, comme réglage. Alors pour l'instant c'est assez calme sur le thème, vous avez remarqué. Je vais essayer ça. Le contrôle de motricité, je vais peut-être le mettre à 1. Puisque plus il est élevé, plus ça patine. Donc du coup, je vais peut-être réduire ça à 1. Alors, au niveau charge en carburant, ça, ok. On n'a pas bougé. La boîte de vitesse, on ne bouge pas. Alors, le radiateur, je l'ai ouvert à 75%. Je vais peut-être l'ouvrir un petit peu plus, comme ça on va éviter les surchauffes. Ah, la pression des pneus. Donc, il faut une pression plus forte ou moins forte, Rapace. Désolé si je parais totalement néophyte là-dedans, mais au moins ça me permet d'essayer d'avoir faire une course plus ou moins potable et sans devoir à chaque fois partir en travers ou en tête à queue, comme c'est arrivé en essai libre d'ailleurs, que je suis parti en tête à queue. Là il n'y a pas beaucoup de virages, c'est un circuit plus de vitesse ici au niveau de Spa-Francorchamps, donc faire une boîte courte, je pense que ce serait une forte pression. Ok, on va l'augmenter un petit peu, on va la mettre à 1,80 au lieu d'1,60. Niveau 12, Marine, c'est très bien ça, bravo à toi. Fidèle parmi les fidèles. Alors, donc je vais l'augmenter un petit peu. Je vais la mettre à 1,71, je pense, au niveau de l'arrière. Si vous avez d'autres conseils, n'hésitez pas, hein, j'essaie de les appliquer. Enfin, ici, je profite, je prends mon temps hein, pour faire des réglages. Ah, ok, Rapace, oui, c'est vrai. Ah, oui, c'est vrai. C'est vrai aussi. Là, pour le coup,
Les pneus sont à température lorsque je fais les courses. Mais ici en qualif, il faut les faire chauffer. Donc du coup, ben c'est. C'est une autre donne, on va dire, à gérer. Voilà. Si je retrouve mes mots. Bon, ben je pense que pour le reste. Ouais, voilà, oui, on va faire ça. On va faire un tour. Voilà, on va faire un tour qualif. Et puis ensuite, on va se. On va juger. On va juger de ce qu'il y aura à améliorer ou pas. Alors, j'ai que 25 litres. J'ai réduit la capacité de carburant pour les qualifs, histoire de permettre d'avoir un tour rapide. Parce que. Ah, attends. Attends. Équilibre du freinage, tu me diras pas. Attends, on va regarder ça tout de suite. L'équilibre du freinage, règle la puissance. Ok, attends. Bouge pas. Équilibre du freinage. Bon. En sachant que je n'ai pas d'ABS, hein, je précise. Donc, équilibre des freins. Augmenter la pression des freins. Avoir tendance à créer du sous-virage. Du sous-virage. Alors moi, ce que je souffre au niveau freinage, c'est-à-dire que j'ai ça bloque, en fait. Mais faudrait que je sache si c'est à l'avant ou à l'arrière, en fait. Donc là, je suis un petit peu embêté, on va dire. Remarine. C'est... J'avoue que là, je suis... Tes freins sont sur les 4. Je vois pas bien ce que tu veux dire, en fait, Rapace. Bah là, pour l'instant, je suis à 58% niveau équilibre. Attends. Si je vais à droite, ça me diminue. Si je vais à gauche, ça augmente. Alors, donc sur virage ou sous virage. Je préfère que ça me crée. Si je pars sur virage, c'est partir en tête à queue, parce que je suis sur une propulsion. Sous virage, bon, mon Dieu, c'est pas trop dramatique, je pense. Donc attends, je vais peut-être augmenter le sous, donc augmenter à l'avant. Je vais peut-être mettre à 75. Je vais peut-être faire un 75-25. Je pense que ça peut être pas mal. On va voir. On va essayer. Je vais me faire un tour là parce que bon, ça fait quand même quelques temps que là que je suis resté dans les stands et bon, je vais quand même essayer de faire un tour. Ok, à l'arrière, c'est une propu. Ok, j'ai rien compris. Allez, hop, on est reparti. Ah là 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 là, je fais que des bêtises. Bon, on va mettre 25. Allez, on va faire 75-25. Mais dans le sens inverse de ce que je venais de faire il y a quelques secondes. Allez, c'est parti. Ah bien sûr, comme il y a vos réactions qui sont... La puissance à fond pour freiner ça d'un coup. Je suis désolé de tous ces retours, hein, mais c'est... Attends. Mais la puissance à fond, mais c'est quoi? C'est la pression que je dois mettre à fond, en fait. Pression de freinage. Est-ce que pression de freinage égale puissance dans ce que tu veux dire, Rapace? Oui, ok. Allez, hop, c'est parti. Bon, cette fois-ci, j'y vais. Hein, Ouais, ah oui, aussi, c'est vrai que ça peut être des bonnes écoles, tout ça. Ouais, Dirt 3 et Forza Horizon 2. Ça peut être des bonnes écoles. Bon, allez, cette fois-ci, on va se lancer. On va quand même faire un tour rapide parce que. Je vais un petit peu faire chauffer mes pneus là parce que. Oh là! Oh le méchant survirage! Oh le méchant survirage! Oh là là! Oh ça va pas du tout! Oh ça va pas du tout! Là, ça va pas du tout, là. Hein. Non, on va... J'ai essayé ça. Parce que j'ai l'impression que c'est là que ça pêche un peu.
Ah ouais, mais moi quand je freine à fond, hein. Qu'est-ce que tu crois, toi? Je crois que je fais... Non, non, moi c'est flat out ou peel out, hein. Je veux dire, hein. Je sais pas si ça se dit, mais bon, c'est pas grave. Ah non, moi, quand je freine, hein. Niveau stabilité, on est pas mal, hein. Ça, je dois dire. Non, elle part trop vite en tête à queue. Là, ça va pas. Là, ça va pas du tout. J'ai dû faire une connerie. J'ai dû faire une connerie. Non, 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 ça va pas. Ça ne va, mais pas du tout, du tout. Pas de soucis, merci d'être passé, Marine, en tout cas. Et j'espère que ces soucis, si tu en as, j'espère qu'ils vont se résoudre au plus vite. Merci d'être passé, Marine, ça fait très plaisir. Et t'inquiète pas, pendant l'été, il y aura pas mal de lives sur Benjix TV, bien évidemment. Alors, bon, je suis un peu perdu, là. Je suis un peu perdu. Je pense que les réglages on va peut-être oublier parce que là j'ai envie de faire un chrono. Là j'ai envie de faire un chrono et là sincèrement bon il me reste encore 17 minutes. J'avoue que je stresse un tout petit peu. Mais un tout petit peu quand même. Donc mets les freins à 50, ok. Au niveau de l'équilibrage ou de la pression? De toute façon, moi je vous dis sincèrement, si jamais à la fin de la qualif je vois que ça ne va pas, pendant le warm-up, je mets tout par défaut et puis terminé. Hein. Ok, répartition égale. Ok. Allez. Ok, équilibrage. Ok, ok. Bon. Est-ce que la pression des pneus ne viendrait pas un peu embêter aussi là? Parce que j'ai l'impression que je pars beaucoup plus vite en travers. Qu'avant. Alors qu'avant, quand j'avais les pneus, on va dire à 1,51 et 1,60, j'avais pas de problème à ce niveau-là. Donc est-ce que je devrais pas bouger aussi la pression des pneus? Ouais, voilà, je perds de l'adhérence, donc bon. Écoute. Ouais, écoute, je vais la remettre à... Allez, je vais la réduire de 0,1 pour chaque truc. Voilà. Bon. Je pense que là... bon, voilà, ici pour le coup j'ai moins, ouais, donc bah attends, je vais la remettre telle que c'était parce que là j'avais pas de problème et puis ben on verra bien, on avisera. Micro. Voilà, bon, allez. Est-ce que j'ai sauvegardé? Oui, j'ai sauvegardé, ça va. Allez, bon, cette fois-ci, j'y vais parce que là, j'ai vraiment pas de chrono. On est à 15 minutes de la fin, il faut que j'en fasse un, absolument. Là, j'ai pas le choix, les gars. Surtout qu'on est sur un circuit de 7 km, donc du coup, on n'a pas non plus des tonnes et des tonnes d'occasions de faire un tour. Là, j'ai l'impression que c'est déjà beaucoup plus stable.
Oh non, 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 hein, mais sérieusement. Non, je pars encore en travers, ça va pas aller là. Hein. Lulu, t'es là ? C'est son micro. Il a quitté. Je le voyais bugger à moitié. Enfin, bugger, il est rentré dans les murs. Écoute, on va essayer quand même de faire un chrono parce que sinon. Ouais, c'est les pneus arrière, je pense, ouais. Putain de merde. Salut Petrus. Ça je ne sais pas. Bon, je fais un tour rapide, je vais essayer. Attention Jésus, je reviens sur toi, je suis en tour rapide. Je suis en lent dans le secteur 2. Ok. Oh non! Mais t'es sérieux là? Non, je vais remettre les réglages par défaut, je vais pas me faire chier. Donc pour information, n'oubliez pas de régler votre stratégie de stand. Une question, tu peux le faire pendant le warm-up? Ouais. Ouais. Ok, bah c'est bon. Le warm-up sert à ça, à peaufiner tes réglages. Bon, merci. 15 euros. C'est vrai que j'avoue que la stabilité fait que le virage de blanchiment, je peux le passer à fond avec la Bentley, ce qui t'as est... T'as réussi à faire une 59, comment t'as fait? Assez extraordinaire. Oh. Ouais. Ah, je suis dead là. Bon, pas. Ouais, il m'a dit que mon potentiel c'est 58,8. J'ai fait quelques petites erreurs de pilotage.
T'as rien touché au niveau de l'aéro? Ouais, je suis à 2, 1 à 2. Pas pareil. Je pense que moi c'est au niveau de. Voilà, je précise encore une fois pour, les... ouais. Pour que vous me parlez des freins, je vous précise une nouvelle fois que la Bentley Speed 8 n'a pas d'ABS. Hein. Parce que j'ai les plus de 300 par contre. Moi je suis à 4. Oh là, il y a un. Ouais, c'est coco, c'est normal. Ah, ok. Je sais qu'il y a 4x4. Go. Non, puisqu'il y a le meilleur pronom, non? Ouais. T'as dû gérer ça sur les suspensions, là. Je sais que je fais des erreurs au niveau de mes trajectoires, mais... Ben moi, je sais pas vous, mais au niveau de la chicane, avant, enfin, vers la fin, je pense qu'elle est trop basse ma caisse parce qu'elle part en tête à queue. Peut-être le prendre en deuxième. Pour les stratégies des stands, n'oubliez pas de le valider en actif. Votre stratégie des stands. Sinon, ouais, sinon ça en... compte pas. Ouais, ça prendra pas le truc. Hein. Faut vite fait que je configure le truc là pour les aides. Là, il est l'heure. Je vais pouvoir aller manger rapidos. Je vais juste faire d'abord tenter de faire un chrono avec ce réglage. Pas super bien. Ah, ok. On va décaler. Ah, t'inquiète. On pensait que c'était à 21h. Merde, pourquoi seulement j'étais à mon fils? Ah non, c'est bon. La merde. T'es sûr de ton coup, Clausius? Bon, maintenant que j'ai, on va dire, fait un chrono. Attends, je vais en train d'améliorer là, attends. Oh putain, je suis pas vengeant. C'est bon, Hera, t'es dessus? Ouais. Là, ça va faire bugger. Bon, bah, moi, je suis out, hein. Je peux pas rejoindre. Il y a un wall. Ah, mais le warm-up, tu peux pas rejoindre. Bah, 6 minutes. 7 minutes. Bah, je peux pas. Essaye. Oh, je vais faire. Pourquoi t'as lancé grand tes photos? Je sais pas pourquoi ça me le fait. Enfin, là, je suis sur Project Cars, mais. T'es dans le salon. Ouais, non, je peux pas. Ah, c'est bon. Oh putain, j'ai eu chaud. Merci. 15h. Ça te fera 30 euros. Et créerait du de 15 euros donc 45. Ouais, les pneus, je vais pas bouger. Ouais. Il a besoin de faire son business. Ouais, attends, il me fait une réduction de 15 euros, mais je augmente de. Ah, une réduction de 15 euros pour toi, ouais. Bon, bah là. Ok. Bon, bah on va bouger à ça alors. 30 euros, on va tester. J'ai une réduction de 15 et je suis à 45. Ouais. On va voir. De toute façon, si j'ai un problème, je reviens à ce que j'avais fait. Donc pour les joueurs, je vais aller manger. Optimiser sa connexion. Je vais bien évidemment laisser le live tel quel. Je vous rejoins d'ici une dizaine de minutes, quinzaine de minutes, grand maximum. Guette quand même. Un petit peu, ouais, je vais guetter de toute façon le chrono de la session. Et à tout à l'heure pour les personnes qui sont dans la session et pour les viewers. Mm-hmm. Bon appât toi. Au pire, allez, bon alors, bon mets-toi en observateur sur Mangator ou quelqu'un qui roule. Pas mon gator, ce serait intéressant. Je crois qu'il est parti donc. Par contre, je suis en train de faire des réglages, de tester des trucs. Enfin, bon, je fais guider un peu par mes spectateurs. Moi, j'ai pas le choix vu que mon jeu il a planté, j'ai dû redémarrer mon PC, je suis obligé de foncer à de ouf. Hein. Enfin, bon, je vais me taire parce qu'il y en a. Elle a vraiment une sacrée gueule la Bentley. Ah ouais. Moi, c'est, je considère comme la plus belle voiture des 24 heures du Mans, hein, au même titre que la GT1 non, à son époque. Non. Pour moi, la plus belle, c'est la Mazda 787. Ah ouais. On est d'accord avec vous. Non, là, c'est le plus beau au niveau son. Au niveau son, tu peux pas l'égaler, ça, c'est sûr. Même niveau gueule, attends. Enfin, on va pas trop en parler, on est en qualif, hein, les gars. Ouais, ouais, parce que en fait, je l'ai dit, mais j'allais reparler.
discutera après, ça, pas de panique. Bah merci, le gars qui m'a fait des appels de phare, je suis sorti de la piste. Et tu bloquais tes pneus. Ah mais y'a pas d'ABS sur ma voiture donc... Appuie-moi fort. J'arrive pas, je suis à fond moi. Attends, qu'est-ce que tu me dis? Pour mieux freiner, là ils sont à 50% sur ce circuit, ok, attends. Mais pas 50% de pression, hein. De conduite. Ah. Et l'équilibrage, je l'ai mis à 90. Parce que ça considère comme si c'était un ABS presque, donc j'essaye un peu de prendre que les conseils que... Parce que j'avoue que je suis tellement néophyte que... Enfin, néophyte en réglage, hein, je parle. Par contre, je suis chaud. Bon, allez. De toute façon, là, j'ai plus le temps de faire des chronos, donc là, ça va être séance d'essai grandeur nature. Oh non, non, non. Bon, là, ça m'énerve là. Mais pourquoi est-ce qu'il met les pneus? Qu'est-ce qu'il m'a mis comme pneu lui? J'ai tellement peur, quoi. Une minute trente, les gars. Ah, de toute façon, j'améliorerai pas. Oh hein. Non. C'est tellement la merde que... Parce quoi? What? Oh, c'est quoi, ça? Faites gaffe, on... C'est acte 1 et je suis à l'envers. J'ai un problème. Quoi? Ma voiture elle s'est arrêtée toute seule, là je peux rien faire. Ah c'était toi et toi? Bon je vais la crash, c'est bien. Oh bien. Reviens vite. Oh non. Oh j'ai cassé mon moteur. Je vais revenir. Oh mon dieu. C'était toi Edwood qui était tout en haut là? Ouais. Ah, donc, bah, je vais s'arrêter, enfin... En fait, moi si tu veux, t'as ma pas caméra, mais la voiture. Un Aberlus aussi a quitté. Ouais, j'ai mon ouais. Par contre, moi, quand je suis encore dans les stands, si je regarde pour observer les autres, tout le monde est arrêté. Revenez vite. Revenez vite. Il y a les. Non, en fait, ça. Non, mais on peut pas revenir dans le warm-up. Ouais, c'est vraiment qui. Normalement, c'est un warm-up. Hier, il y en a un qui est revenu dans le warm-up. Ouais, non, je peux plus inviter. On peut pas rejoindre. Je peux inviter. Ça me casse les couilles ce jeu de merde. Et dire qu'ils avaient pris 4 ans pour développer pour faire de la merde. Tu devrais développer ta voix pour devenir chanteur. Ça, ça me fait trop peur, à chaque fois que j'entends personne parler, j'ai l'impression que j'ai perdu la clope. Ouais ça non mais ça me fout. J'espère les amis que vous n'avez pas oublié vos frites et votre petite bière. Et surtout, montez le volume et rendez-vous à l'issue des 2 heures. Quoi, je pars premier? Deuxième, non.
pardon. Ah, excuse-moi. Vas-y, Coco, passe. On la joue prudente. 2 heures de course. Ah oh, putain, j'ai un problème. Oh, j'ai réglé la bagnole. Oh merde. Oh pardon. Désolé Coco. Là c'est l'ABS et l'anti-patinage qui manque lors du coup. Alors j'ai 26% de dégâts d'aéro déjà. Ok. À quel pourcentage d'aéro ça devient critique les dégâts ? Quand c'est rouge. Ah bah alors je rentre tout de suite, ok. Putain, j'ai à peine effleuré, il me semble. Après, c'est à toi de voir. Hein. L'aéro, c'est du carbone. Tu peux rouler avec 15% d'aéro, après tu fais gaffe à ton moteur, ça ne dommage pas. Ouais, je vais surveiller les températures. Oh, attends. Ah, je préfère te laisser passer de toute façon. Oh là là. L'avant, l'arrière qui veut. Oh, je crois que j'ai pris un choix kamikaze avec la Speed 8. La Marek, elle a un meilleur coup que le démarrage. Ouais, j'ai vu. Oh putain, désolé. Aïe. Désolé. Oh oh, les boudins là. Allez, tourne. Thank you.
attention, chicane. Allez, tourne, saloperie de merde. Oh, allez, mais vas-y. Ah bon, Clausus? Ah, mais il est fort hein, en même temps. Là, c'est quoi le bruit? Désolé, je coupe mon micro. Ah, ok, Clausus. D'accord. Ah, mais il connaît mieux que moi, donc... Je pense qu'à la prochaine course, je rechange de voiture, hein, parce que... T'es touché? Un peu, mais ça va. Mais t'avais freiné trop tôt, désolé.
En fait, Clausius Mikuya, c'est un petit outil qui permet de voir, récompenser les spectateurs par un level en fonction de leur présence habituelle, fidèle sur les lives. Bon, c'est un petit détail, c'est pas quelque chose d'ultra important, mais bon. Merci. Ouais, j'ai préféré pas insister, hein, sachant en difficulté énorme là. Prochaine fois, je rechange de voiture, je te le dis. Non, il n'y a pas vraiment de récompense, on va dire, mais bon, c'est... Voilà, c'est pour voir un peu qui sont les viewers les plus fidèles, on va dire, à la chaîne. Je garde un œil sur les températures. Température d'huile à 101 et température d'eau à 91 pour l'instant. Au niveau de pneus, on est à... De gauche à droite et de avant à l'arrière, 91, 89, 83, 83. Je vous donne des petites infos comme ça pour que vous sachiez un peu la situation dans laquelle je suis. Et avec mon plein, je peux encore faire 17 tours apparemment avec le carburant que j'ai. Après estimation du fuel management. Sur P4 Profiler. Ah, excuse-moi, Edwin. Non, c'est ma faute, c'est moi. Passe. Non, c'est moi, vas-y. Et merci. T'as des dégâts ? Non, t'inquiète, c'est bon. Merci. Ouais, franchement, c'est pratique. J'avoue. C'est gratuit en plus, ce logiciel-là. Il fonctionne un peu comme l'interface de Visual Studio ou de Microsoft Office. Donc du coup, ça va, c'est facile. Merci. Température d'huile est descendue à 95, donc ça va, j'ai l'air de bien gérer. Oh Jésus, ouais. Pas de moi, je te bleurai dans la ligne droite. Vous pouvez juste arrêter de souffler, s'il vous plaît. C'est vrai, Clausius ? Ah bah écoute, tu peux me l'envoyer en message privé Twitch si ça te dérange pas. Bon après, j'avoue que je passe plus autant d'heures sur Project Cars qu'au moment de sa sortie. Parce que bon, j'essaie d'un petit peu aller voir ailleurs, et d'ailleurs ce sera le cas lors des lives un peu qu'il y aura cet été sur ma chaîne. Mais bon, pour les prochaines courses d'endurance, ça ne peut pas me faire de mal, je pense.
Ah mais j'en doute pas, Clausius, t'inquiète pas. Merci en tout cas. Merci, je suis. M'attaque pas au freinage et d'où je vais rentrer au stand. Je passe. Tout est de stand. Je me mets sur le côté. Merci. Oh, de toute façon, là où j'étais, je n'ai pas. Mais de rien. Je te laisse, vas-y, vas-y. Attention, il y a Hera qui est en position gênante à la sortie du speaker corner. C'est bon, je suis à René Landra. Ok. Juste avant le double gauche de Pouon. Les pneus sont rouges, faut les changer. En température très haute, ouais. Trop d'erreurs de pilotage là, c'est un truc de ouf. Je t'avais pas trop gêné, Abdallah ? Non, j'étais non, devant toi. Juste au niveau des virages. Non mais dans la montée du raidillon à ce tour-ci. T'inquiète, t'inquiète.
Bah, j'étais resté pied au plancher, donc y'a pas de soucis. Parce que j'ai un viewer qui m'a dit que t'avais un gap de 25 km/h en plus que moi, donc du coup, c'est ça que je me posais la question. Oh non, t'inquiète. De toute façon, je t'étais boité sur la gauche sans problème. Ok. Jésus, tu peux quand même rouler avec tes pneus rouges, mais ils sont chauds quoi. En fait, non, c'est juste que je sortais des stands. Les pneus ils sont verts. Un méchant coup de raquette là. Ah ouais, mais je comprends pas, elle est incontrôlable. Oh, mais tu seras à ma place, ce sera autre chose, je te le dis. Ouais, mais bon, quand même le bouton quoi, c'est chaud de doser. Oui, merci Clausus, je regarderai ça par après, t'inquiète pas. Attention au 12ème, dernier, derrière toi. Ok. Merci. Ou Benji. Je suis parti avec toi. Je me fais peur. J'ai un peu réaccéléré trop vite. Ouais, et du coup j'ai bloqué les roues pour t'éviter quoi. Je t'ai gêné ? Bah, en fait je voulais t'éviter, du coup j'ai écrasé la pédale. Ah merde, désolé. Ah, oh, pas de problème, hein. De toute façon, au point où on en est. Carabine. We've got some pressure from the guy behind. You'll need to break as late as you can, you may need to cover the inside line. Whoa!
J'ai cru que j'allais la perdre. Le bus stop, c'est chaud, hein, avec celle-ci. Et qui est la marée? C'est Lulu, je crois, non? Ah, je crois que c'est lui. Derrière lui, et je suis à un peu de lui, quoi, maintenant. Tout le temps à cet endroit-là. Merci Benji. De rien. Disons que ça fait très longtemps que je fais des jeux de course, on va dire. Depuis allez, décembre 2000, je joue quasi qu'à des jeux de course. Mais après, j'étais pas dans une immersion ultra poussée en termes de simulation, comme je peux l'être maintenant. D'habitude, 15 euros. Donc, repasse. On va dire que c'est réellement depuis cette année que je me mets à fond dans la conduite en simulation avec volant et tout. Donc, si tu veux savoir, mon cher Clausus. Onzième, attention. Merci. De rien.
Putain, mais souvire cette putain de merde là. Putain, alors je bataille avec. Casse la tête. De stand. J'ai répondu à ta question, Plosius. Par contre, j'ai un casque, mais un micro-casque, hein, on va dire, sans plus, mon cher Plosius. Et j'ai pas de gants pour piloter. Non, non, je pilote à main nue, mais indirectement. Mais volant, j'ai vraiment investi dans un volant, oui, cette année, effectivement. Bonjour, Morty, comment ça va? Ok, tant mieux. Oh, c'est super, Morty, ça fait plaisir que tu sois là. Comment tu vas, mon cher? Ça fait plaisir de te voir. D'avoir des nouvelles du Canada, surtout, aussi. Et du Québec. Région que j'aime tant, que j'aimerais bien visiter un jour dans ma vie, ça c'est sûr. Oh. Bah ça va, enfin ça va, on est sous la grosse chaleur, on va dire, par chez nous en Europe, aux alentours des 30 degrés. Bon, ici ça va, la température descend un petit peu avec la fin de journée et la nuit. Et ici, les gars, vous êtes partis avec combien de litres ? J'ai beaucoup de mal à maîtriser mon véhicule ici, c'est pas d'ABS, pas d'antipatinage, alors du coup c'est un peu chaud. Il me reste 3 litres, ce connard il m'a même pas demandé de rentrer au stand. Moi j'ai 90 au départ, et ici je peux faire encore 8 tours avec le carburant d'après le profiler. Ah, t'es en Suisse, Clausius, 32 degrés. Ah ouais, quand même. Mais je sais que j'ai un contact, un de mes collègues, on va dire, streamer, dans la StreamPod, à savoir pas The Playground. Il habite en Haute-Savoie, pas très loin de la frontière suisse d'ailleurs. Et il a eu une pointe jusqu'à 40 degrés cette semaine. Donc du coup, ouais, effectivement, c'est chaud. Oh, vous avez de la chance. Ah ouais, t'as de la chance, Morty, j'avoue, là. Un petit 20 degrés avec du vent, en plus. Ça fait du bien, parce qu'ici, t'as de la chaleur, mais t'as quasi pas d'air, donc du coup, c'est difficilement gérable. Tout comme cette voiture, d'ailleurs. Non. Ah oui, effectivement. Ah oui, je comprends, Morty, mais c'est pas pareil. Sinon, à part ça aussi, je suis en train de royalement détester cette Bentley. Allez, vas-y. Je suis limite de faire rage quit, quoi. Mais je vais pas le faire parce que, bon, ça se fait pas. Oh ouais, mais cette voiture... Oh là 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 là, mais regarde-moi ça. Nom de Dieu, j'en ai marre. Je redescends, les gars.
Oh, mais dites ça. Donc, vous sortez des stands. Pas tout le temps. Ouais, je pense que c'est ça peut-être. Ouais, non, c'est pas vraiment le but de faire du drift ici. Regarde-moi ça, le capot. T'es en train de dire bonjour, je suis capot. Enfin, le capot, le pare-choc avant, parce que le capot il est à l'arrière, puisque les moteurs sont à l'arrière sur ces prototypes. Il y a un Amberius juste avant les stands en travers. Tiens-toi droite, saloperie. Ben. C'est encore à la limite, j'étais encore à la limite de partir cette, en tête avec cette voiture de merde, donc j'essaie de pas le gêner. Vous avez remarqué qu'ils font le plein et après ils changent les pneus, ils font pas tout en même temps. Bah non, qu'est-ce que tu veux, ils sont bloqués. Comme en vrai. Il faut qu'il soit que deux ainsi sur la voiture. Ça c'est quoi. Ouais. Et t'as le droit de Benji. Merci. Ouais, mais je vais essayer d'aller jusqu'au bout de mon carburant quand même. Je m'en fous de perdre du temps de toute façon au pont où j'en suis, sincèrement. Merci, là. Tu as fait. Ça me... Je suis limite blasé là, sincèrement. Cette voiture, je l'envoie à la casse après la course, quoi. Bon, allez, je vais rentrer ce tour-ci, non, je vais pas prendre plus de risques. De toute façon, ça sert à rien. Allez, box des slaps. Allez, on y va. En plus, j'ai ma température moteur qui monte là. Ouais, c'est ça. Allez, c'est parti. On fait la totale. Le plein, les réparations et changement de pneus. Dommage qu'on ne s'est pas changé de caméra. Ouais, c'était intéressant de voir un peu, même si bon, il n'y a pas les animations dans les stands, c'est peut-être pour ça aussi, oui, je suis con, qu'on n'a pas les, la caméra extérieure, on va dire. Allez, ça repart. Ah, ça a l'air d'être mieux. Ah, même pas d'autoradio. Ah ouais, non, c'est assez sommaire, on va dire.
Par contre, est-ce que mon... Attends, j'ai quand même me posé la question aux autres, là. Désolé si je vais les déranger. Mais là... Alors d'après le Project Cars Profiler, j'ai encore les mêmes dégâts qu'avant les ravitaillements alors que j'ai demandé de réparer. Donc visiblement c'est encore géré comme de la merde ce truc. Bah en fait Morty, je vais t'expliquer pourquoi je n'ai pas de caméra sur ce live. C'est simplement parce que vu la chaleur qu'il fait, je suis à moitié à poil, on va dire. Donc du coup j'ai préféré ne pas mettre de caméra parce que bon... T'aurais pas dû faire la mise à jour... Voilà. Postmaster. Parce que des fois... Ah ça il s'est rétabli au niveau de mon profiler. En train de faire actuellement. C'est les pneus qui font ça. Ça me faisait ça. Les morceaux de gomme qui font ça quand tu les ramasses. Ouais. Bah pourtant je suis dans la trajectoire. Ah y'a les morceaux de gomme aussi dans la trajectoire. Ah non. J'en ai marre de cette voiture de merde. Ah, sans doute. Ah, c'est peut-être ça alors, Clusius. Effectivement. Peut-être un split qu'il faut passer sur le circuit. Je reviens en caméra intérieure quand même. Immersion quand même. Comme voiture, disons que c'est des véhicules qui ne sont pas vendus au Canada. Over the line, it's not 60 cars on the grid, it's 60 laps on this race. But on the grid, we were 12 drivers. So it's not 60 car, but 60 laps. It's not the same. T on the dashboard, T means tour en français, in French. And tour in French means lap in English. And the P position is the same in English and in French. You know what I mean, I hope. And welcome to you over the line 92. Donc Morty, en fait, c'est des voitures que j'ai... la voiture que nous possédons, mes parents et moi, en fait. Une, c'est une Peugeot 207 Break. Je pense pas que ce soit vendu au Québec. Et une Dacia Sandero, un autre modèle qui n'est pas vendu en Europe, mais qu'on ne voit pas non plus dans des jeux vidéo. Enfin, je pense pas. J'ai pas connaissance de jeux vidéo dans lesquels on retrouve des Dacia Sandero. Peugeot 207, oui, il y en a eu, mais... pas beaucoup, on va dire. Et c'est deux voitures exclusivement vendues en Europe ou bien dans les pays émergents pour la Dacia Sandero. Donc malheureusement en Amérique du Nord, vous ne connaissez pas. Passe dans la ligne droite. Voilà, c'est ça, exactement comme dira Passe. Voilà. Et re à toi, Rapace, si t'es revenu. Wow. Je crois qu'au final, Clusius, t'as bien fait de me conseiller d'aller au stand parce que sincèrement, ça a l'air d'aller mieux. Bon, c'est pas la folie non plus, c'est toujours délicat, mais c'est gérable.
Ah, j'avoue que au niveau de l'anglais, je suis pas mauvais. Je regarde pas mal de programmes, que ce soit de sport mécanique ou de jeux vidéo, enfin des conférences par exemple de constructeurs ou éditeurs en anglais. Donc du coup, ça m'entraîne et ça me forme un petit peu, quelque part. Et puis des vidéos de sport mécanique, notamment de NASCAR aux États-Unis, ou d'IndyCar, tout ça que je regarde parfois en anglais. Donc du coup, ben, je m'entraîne quelque part. C'est de l'entraînement et... puis voilà quoi, c'est tout. C'est... j'aime bien parler anglais moi personnellement. Attention, j'aime bien parler français aussi. Tu fous de ma gueule. Ah, j'avoue, Morty, oui. C'est toi dans le rayon. Moi. C'est qui dans le rayon? Ah, mais moi, j'étais au stand, ils ont failli niquer ma voiture, ces connards. On dit, on a perdu l'embrouillage, ça sent l'abandon. Ah, exact, Clausus. Ah, mais c'est pas possible. Non, effectivement, je pense qu'il y a une autre langue qui dépasse l'anglais. Je crois que c'est le chinois, si je dis pas de bêtises, puisque la population chinoise est l'une des... enfin, la Chine est le pays le plus peuplé au monde. L'espagnol, si si. Qu'est-ce la tercer idioma más hablado en el mundo? Y hablo un poquito de español también. Je suis assez international comme garçon, on va dire. Ah ouais, je me fais rattraper par les autres, Morty, mais il faut dire que ils ont un tellement bon niveau, les autres pilotes avec qui je suis, donc du coup, voilà. Ah non, rapace. Si, si, Clausius. Si, si. Es un idioma muy, muy interesante para mí. Oula. Il y a mort, Wallstar. Ah bon? Ouais, tu fais des gros travers devant moi, tu fais des... Ça recule, ça repart d'un coup et tout. C'est un peu la galère. Moi, je suis câble en fibre, hein. C'est le plan, ça vient peut-être de moi, ça vient peut-être de moi, vu que c'est moi qui héberge. Ouais, pas mal, Morty. Muy bien. Allez, parlez espagnol avec Benji, c'est parti. Alors que je suis juste en train de faire une course de 2 heures, une course d'endurance, bon ben... ça fait passer le temps aussi, hein. Ça fait faire que la course soit un peu moins longue. 9, Clausus. Ça, l'allemand, par contre, je dois avouer que je... je ne suis pas du tout... je ne maîtrise pas du tout cette langue. J'ai dire Guten Tag, Willkommen. J'ai dire 2-3 mots comme ça, mais sans plus. Oh, ça pue l'abandon, ça.
Ça vous le fait, vous, le moteur qui fume en sortant? Attention, il y a un véhicule qui est devant moi, là, qui a fait une erreur, là. Des fois, oui. Ah, désolé, c'est moi. Attendez, je suis au ralenti, là, doucement, doucement. Vas-y, passe celui qui doit passer. Merci. Il y avait Lulu qui était parti en tête à queue devant moi, donc j'ai préféré aller doucement. Le russe et le mandarin, mon dieu, mais tu m'en demandes beaucoup, la mortie. All'italiano. Italiano. Pas vraiment, pas l'italien non plus. J'ai parlé, on va dire, le français, l'anglais, l'espagnol un petit peu, mais... Après, c'est à peu près tout, on va dire. Et merde. Allez, vas-y, Clausius, il parle toutes les langues, là. Tiens, bah, franchement, bravo à toi, hein. Ouais, Morty, j'avoue. Enfin, nous ne sommes pas là pour parler géopolitique et tout ça. C'est pas des sujets, on va dire que... Ah ouais, quand même. Ah ouais, d'accord, Clausius. Eh, effectivement. Pas mal. Belle adaptation. Quelqu'un qui a dû rager un peu là. J'ai entendu une palette claquer. Bah pourquoi tu dis ça, Morty, mais enfin. C'est gentil, fais rien de mal. Calice. Saint sacrement. Ouais, des mots que j'entends parfois de dialecte en québécois. Merde. Alors que Redzaf a été déco, malheureusement pour lui. Aïe aïe aïe. Il est d'ailleurs disparu du TeamSpeak. On est en train d'à peine franchir l'heure de course. Micro. Attention à la... Voiture bleue. 11e. Attention. Ah ouais, j'avoue, Clausius. Ok, let's try and stabilize these lap times now and keep focused.
Non, vas-y, enfin, Morty, envoie-le peut-être en... en message privé. Comme ça, j'irai checker ça et je garderai ça précieusement parce que sur le... mis sur le chat, je risque de l'oublier au bout d'un certain temps. Parce que j'aime bien, c'est vrai que j'avoue que j'aime bien le... la langue, enfin, le parler québécois. J'aimerais bien parfois prendre un peu des expressions et tout pour le jour où, je l'espère en tout cas dans ma vie, j'aurai la chance d'aller faire un petit séjour du côté de, du Québec, soit Montréal ou d'autres grandes villes du Québec. On est, bah, la ville de Québec, une ville de Québec. Bah, s'il y avait une ville aussi dans Project Gotham Racing 4, une autre ville du Québec, je me rappelle plus. Rapace, si tu sais encore. N'hésite pas à me le rappeler parce que là j'ai un petit trou de mémoire sur le nom de cette ville. Salut Guest. Oui, bah ça va, on est en plein dans, en pleine course d'endurance de 2 heures ici à Spa-Francorchamps. On en est à peu près à la moitié de la course. Et comment tu vas toi, mon cher guest? Et si, je dis, Morty, que je suis en train de driver mon gros char? Si je dis que je suis en train de driver mon gros char? Est-ce que j'ai raison, Morty, dans mon expression? En disant que je conduis ma voiture. Dans PGR4, c'est Québec. Ah, ok. Ah, c'est pas ça, Morty? Ah, moi, il me semblait que c'était ça, que char désignait la voiture, et driver, ça voulait dire conduire. Ah? Ah, bah alors, désolé si je me suis trompé, alors. J'étais persuadé que ça venait du Québec. Autant pour moi. Ah, chauffer ton char! Ah, ok. D'accord, oui. Mais donc drive. Désolé donc. Pour le freinage à l'extérieur. Pas grave. Je voyais pas la chicane arriver aussi. Merci. Ah mince, guest. Ah dommage pour toi. Cette chère Xbox One. Ah oui, à la salle. La meilleure console de salon qui existe. À mes yeux, en tout cas. Encore plus maintenant que je fais partie du programme Xbox Preview, j'avoue que. Il y a. Cette possibilité d'avoir des fonctionnalités en avance comme la. Le game streaming ou la rétrocompatibilité, même si pour l'instant je n'ai pas de jeu qui rentre dans le programme de rétrocompatibilité, donc je ne peux pas tester malheureusement. Avec le temps, ça risque d'arriver. Hein. Oh! Ah là, tu m'intéresses, guest. Si tu achètes Forza Horizon 2 et The Crew, ça risque d'être pas mal, ça. Et Rapace sera d'accord avec moi, bien sûr. Ah mais c'est ton choix, Morty, y a pas de souci.
Ah, ok. Ok, guest. Bah, y a pas de souci. Bah, écoute, Clausius, moi, je vais te dire, je m'appelle Benji, donc. J'ai 21 ans. Je suis étudiant actuellement en informatique. En haute école ou faculté, comme on appellerait ça en France. Et puis voilà, donc pour l'instant je suis pas dans le monde du travail, je suis encore aux études on va dire. Mais bon, je suis pas plus très loin de la porte de sortie on va dire. Oh, ah ouais, pas mal Morty. Pas mal du tout, ouais, des 980 en SLI, ça va envoyer le pâté comme on dit. Ah bah oui, c'est sûr, oui Clausius. Bon, moi historiquement je suis joueur console, je suis vraiment joueur sur PC aussi que depuis encore un an et demi, pas plus. Donc bon, voilà quoi. Salut Jordan Isandro, comment tu vas? Ça fait plaisir de te voir sur le live, dans le chat en tout cas. Ah oui, 1900$, ah oui, c'est... Effectivement, c'est sûr que c'est du bon matériel, mais c'est pas donné, ça c'est sûr. Mais après, bon, t'es tranquille pour quelques années au moins. Ah ok, Clausius. Ah ouais, pas mal. Bah ça va bien, Jordan Isandro. Écoute, ça va bien, même si on est ici dans une longue course d'endurance de 2 heures et que j'arrive à peine à la moitié de la course. Et que j'ai pas mal galéré avec ma Bentley Speed 8 que je pilote, que je vais montrer comme ça un petit peu. Ah oui, ok, guest. À toi de voir, écoute, c'est... Ah oui, ça risque, Morty, mais bon, au moins t'auras rentabilisé tes cartes, quoi. Mais après, guest, si jamais tu venais sur des jeux comme Forza, par exemple sur Xbox One, eh ben, je t'accueillerai avec grand, grand plaisir. Merci Jésus. Hop là. Ah oui, guest, ça si je peux te conseiller, oui. Tu fais bien de parler de BF4, Morty. Ce que je peux te conseiller... Ouais, je vais en retourner. Ce que je peux te conseiller, Morty, c'est... Si tu aimes les jeux, on va dire les jeux de sport, les Need for Speed, entre autres, enfin les jeux de chez Electronic Arts, alors je te conseille de t'abonner au EA Access, ça te coûte 25€ par an, et tu as pour l'instant droit à... plus de 300€ de jeu gratuitement via cet abonnement où il y a accès qui donc te coûte 25€ par an et puis t'as des accès anticipés à des jeux, le droit de tester gratuitement des jeux complets même une semaine avant leur sortie, donc franchement c'est assez intéressant, mais bon faut payer par carte Visa, c'est ça le problème, et pour ceux qui n'ont pas la possibilité de payer par carte bancaire, ben c'est malheureusement pas possible de faire autrement. Bah, que je disais, Rapace, que si Guest venait jouer, enfin, avait des jeux qu'on a en commun sur Xbox One, ben, qui pourrait jouer avec nous avec grand plaisir. C'est ça dont je parlais, Rapace, en fait.
dig deep and try and punch out some consistent times now. Alors moi, je guess, je joue à GTA, mais sur PC. Pas sur console, malheureusement. Enfin, malheureusement, pour ceux qui sont sur console et qui apprécieraient peut-être de jouer en ma compagnie. J'en ai GTA 5 que sur PC. Parce que c'est la toute première fois que j'achetais un GTA aussi. Donc du coup, bah, je voulais m'initier un peu et j'ai choisi la version PC pour cela. D'ailleurs, ça reviendra souvent en live durant l'été. Notamment avec les membres de ma team de pilotes, on risque de se taper 2-3 délires aussi sur GTA cet été, donc voilà. Je vous tiendrai d'ailleurs, je vous informerai un peu de la grille des programmes, enfin de la grille des horaires des lives potentiels de l'été à l'issue, à la fin de ce live, donc ouais, restez bien attentifs. Bah non, dis pas ça, mais de toute façon, Guest Project Cars ici, je l'ai sur PC, hein. Mais après, je joue sur volant, mais rien ne m'empêche de jouer à la manette aussi, hein. J'ai longtemps joué à la manette, ça fait depuis quoi, allez, un an, enfin, même pas un an que je joue un peu plus sérieusement au volant, mais sinon, voilà, quoi, c'est... Je suis un historique de la manette, on va dire. C'est là que j'ai fait mes armes. À mon niveau, certes, très amateur, mais... avoir vu à la salle. Pourquoi t'as disparu quoi? Okay, you've got good consistent pace. You're gonna need to pick it up a bit. Let's push hard. Ah non, sûrement ça va être tendu. Hein. Alors, je, le Clausius, j'ai le Thrustmaster TX parce que c'est le seul volant actuellement, enfin, de chez Thrustmaster qui est compatible. Qui est compatible avec la Xbox One et le PC en même temps. Après, il y a le G920 de chez Logitech qui va sortir fin de cette année, qui a l'air pas mal, mais bon, qui coûte un peu plus cher que le TX que je possède. Donc bon. C'est parti, je repars avec le plein. Alors sur Xbox One, je peux te dire que c'est une horreur de jouer avec un décalage entre le volant et la direction. Guest, je t'enverrai un message privé si tu veux. Je sais pas comment je fais, et à tel point que je sais pas comment je fais, j'ai réussi à faire un battement record en 1:59.6. Moi. En fait, c'est peut-être mieux comme ça. Bah, force, il doit t'habituer aussi. Ouais, bah oui, là je suis habitué, mais. Le plus dur, c'est dans les chicanes. Hein. Je suis obligé de faire des. Limite des 1080 pour qu'elle tourne. Mais Guest, je t'enverrai une liste si tu veux. Mais putain, mais tu sais tourner ça à l'opri de voiture de merde ou quoi? On a le même rythme, hein. J'arrive pas à te prendre du temps. Salut Michel. Ah ouais, elle est pas mal la manette Xbox One Pro Elite. Ouais, c'est une très très belle manette, bien complète avec des boutons, des fonctionnalités. Ouais, c'est pas mal du tout. Franchement, ouais, c'est une très bonne idée qu'a eu Microsoft. Mais bon, après 150€, ça fait un peu cher, hein, ça il faut le reconnaître. Mais sinon, pour les jeux que j'ai, Guess, je t'enverrai ça par message privé si tu veux sur Twitter ou bien sur Twitch. Y'a pas de soucis. Je t'enverrai ça sans problème. Your lap time's a little bit erratic. Try and line up some strong, consistent laps. Keep focused and get back on it. Ah, c'est sûr, Rapace. C'est sûr que c'est moins cher que les burns ou les scuffs, mais bon. Qu'est-ce qu'elle a? Qu'est-ce qu'il y a, mon volant? Il va se comporter normalement, oui, ou quoi, là? C'est quoi, cette histoire, là? Une voiture qui veut partir en travers toute seule dans la ligne droite, quoi. Normal. Ouais, pas de soucis, Guest. Pas de soucis. T'inquiète. Je t'envoie ça dès que je peux. Déco? Non. Pas de déco. C'est pas sérieux.
C'est marqué Wolfsack qui a quitté la session. Il était plus dans la liste. T'es pas sérieux. Ah, moi, t'es toujours là, hein. Non, chez moi, t'es... Bah, il moi, est toujours là. De... C'est peut-être un bug d'affichage. Parce que moi, je continue à rouler, là. Bah oui, il y a 11 pilotes sur. J'en vois plus que 10. Pareil avec Redsaf tout à l'heure, il était parti. Ouais, mais là, il est vraiment mauvais, ça. Mais elle s'est tournée, cette voiture de merde, ou quoi, là? Ah, mais j'ai l'impression que plus ça va, plus c'est de plus en plus pire avec ce coup. Ouais, Benji. Benji, adieu. Oh, attention! C'est qui est revenu comme ça sur la piste, là? Parce que là, je suis en train de rattraper... mon gâteau à des secondes, à des secondes. Benji, j'ai vu que t'es assez souvent, c'est normal. Pourtant, je suis toujours dedans. T'as un bug d'affichage. Ok, bah écoute... S'ils sont encore en train de rouler, c'est que c'est un bug. Sans vers la fin de la course. Oui, c'est une mise à jour qu'il y a deux. Et mon profiler fonctionne toujours, donc tout est en ordre. Ah ouais, je viens de passer en première position. Mon gâteau, il est toujours premier chez vous? Je sais pas, je regarde pas le classement parce que sinon je m'épose. Ouais, Mangator est toujours premier. Bah moi je vois toutes les voitures stationnées sur le côté, s'il te plaît. Je suis en train de bouger. Ah pareil. Attends, il y a une voiture devant moi qui roule. Continuez à rouler, puis supprimez votre temps global à la fin de la session. Et ça, on prend un gros bras dans le classement. Je sais pas. En plus, il y a mon volant qui agit bizarrement là, depuis 2-3 tours. Genre la voiture qui a envie de partir à gauche, à droite, dans la ligne droite, toute seule. What? Ouais, ben là, je vais pas laisser à rouler comme un con en mode solo. Hein. Ouais, vous avez été déconnecté de la session multijoueur. Putain. Ouais, ce jeu, il fait péter un peu. Bon, ben là... Ça sent mauvais, les amis, là. Non, mais sérieux, là, c'est pas possible. Là. Franchement, là, c'est... à quel moment je vais finir une course correctement? Ah non, Clausus, c'est chaud. Oh punaise, il y a des voitures. Tu as sur PS4? Ah, ça, ce message-là, je l'ai jamais eu. On a déjà eu un bug comme ça sur Gran Turismo, par contre. Ah oui, ça me pète les couilles, là. C'est bon. Ok, vous avez été déconnecté de la session multijoueur. Retour au centre de course. Bravo. C'est ce que j'appelle un jeu pas fini et une grosse arnaque en puissance. Merci, au revoir. Et le pire, c'est qu'ils sont en train de faire le 2, quoi. Foutage de gueule, tout simplement. Y'a pas d'autre mot. Ouais. Tout à l'heure, ça m'a mis en pause, en pleine droite, dans le virage. Punaise, en plus que j'étais bien parti pour faire l'intégralité de la course pour une fois. Oh, bah les gars, désolé. Désolé pour toi. Bah, on est tous un peu désolés les uns pour les autres là, parce que sincèrement, on est tous victimes, je pense, du même truc. C'est ce qu'il te reste à dire à Ben. Ah, mais t'inquiète, ça, je vais faire une remontée, y'a pas de délire. Un truc, il faut que tu le fasses bien tassé, quoi, bien salé. Tu mets un peu de sel, un peu de poivre par-ci, du piment. Ah, sérieux, à quel moment tu vas finir une course de qualité qui va tenir, que tout le monde va pouvoir terminer en temps et en heure? Toujours la poisse, putain, j'étais deuxième pendant 40 tours, j'entends, je suis en train d'en suer. Vous avez été déconnecté du serveur, t'as un débit de 88. On download et... Enfin bref, t'es câblé en fibre et t'arrives à avoir ce type de message. Bah t'inquiète, moi je suis avec 55 et même bientôt 100 mégas d'ici 2 semaines. Et bon, voilà quoi. Je sais pas, mais j'ai l'impression que c'était pile poil un tour après que ça a été marqué à quitter la session. Poil. C'est peut-être la connexion de Ralphie. Hein. Non, mais le truc c'est que rien que le système donne pas... Remarine. On comprend pas pourquoi ils le font pas. C'est le seul jeu qui se dit simulation... Et qu'il ouais, a pas de serveur. Avait créé, Ben, il avait créé un... quand il était. Oh non, c'est. Ouais, mais non, mais c'est le truc, c'est que il faut que t'aies une bonne co aussi. Ça revient au même truc que ce qu'on fait là. Sauf que tu peux être jusqu'à 64 joueurs. C'est tout. Ouais, rapace, c'est vraiment de la merde les serveurs PC. Ouais. Et c'est pas mieux ailleurs, hein, tu sais. C'est juste un jeu pas fini, voilà, c'est tout.
Il y a les entreprises qui reprennent ça et qui vont pas pouvoir louer un serveur. Ce sera beaucoup plus confortable, je pense. Je sais pas, qu'ils engagent des gens de chez Polyphony ou de chez Turn10 pour faire un bon jeu, quoi. Je sais pas aussi. Vous ne voulez pas qu'ils prennent chez Sony, hein, je te le dis. C'est encore pire. Ah bah alors, Turn10, ouais, alors. Dégoûté. Et désolé pour toi. Ah bah, tu sais. Je vais vous laisser, hein. Franchement, là, je suis blasé. Ça m'a cassé les couilles, sérieux. Mais bon, putain. Ouais. Je vais exporter la vidéo sur YouTube. Ça va en faire réagir certains, ma parole. S'ils veulent pas que je démonte leur jeu, j'ai très bien promu leur jeu parce qu'il m'a fait rêver tout le long, mais si après sa sortie, il me fait des bugs. Ouais, non. Péter les couilles, la TTR organise des championnats, des courses, tout ça, je ramène du monde. Et derrière, tu mets des serveurs, vous avez été déconnecté du serveur. Dans ce cas-là, ça sert à quoi, ça?